tu vas vous rester comme ça et comme ça. Donc là, ça sera bourré, normalement, il va nous rester à peu près 10 cm. Donc là, on disait que soit on peut le faire, le mettre comme ça, bout à bout. Mais bon, il vaut mieux mettre à peinture de côté à peinture. Mais dans les deux sens, ça marche quand même, tout ce qui est. Après avoir bien nettoyé le trou, bien soufflé le trou, après avoir évacué le matériel. De retrouver, mais je suis en A4, tu sais que tu as deux couleurs identiques à l'arrivée, voilà. Attention, point tir de mine. 3, 2, 1. Dans ce cas, un compromis est à trouver entre l'inclinaison des trous et l'optimisation de la distance à décoller. Donc alors on en met trois. Hein. D'abord on mesure le trou, on enlève l'eau. Ça se voit bien, voici ici. On va faire un bourrage à l'eau. Ouais, effectivement, le trou est assez long. Alors tu vas avancer les trous de 12 avec les cartouches de 10. Ça, c'est pas ça. Alors, tu vois, le plâtre c'est intéressant parce que quand on se dépêche, il y a de l'eau dans le trou. Ouais. On va faire un bourrage à l'eau. La peintrite ça craint la fin? Non. Oui, la peintrite ça craint de l'eau. Ah oui? C'est pour ça qu'elle a emballé le tout. Mais là, il y aura pas de problème, ça pète. Fabrication d'un bobineau à l'arrière du détonateur pour le maintenir dans sa position. Prêt pour le tir. 5, 4, 3, 2, 1. Dans les fonds, ça calme la mousse. Avec une baradine, à mon avis. La poignée, je la mets à partir de l'air. Ça va tout dégager. Je sais pas, c'est une poignée. On va le trouver là. Regarde, on voit bien là le tir. Ah ouais, donc. Je disais par rapport au strat, on est quasiment dans les strats. Ah ouais, on voit bien l'angle là. Hein. Ouais. Et voir, montre-moi l'entrée, voir. Le début du tir, le début du trou. Là, ici, normalement. Voilà, ouais, donc on est presque parallèle au strat. Ouais. Hein. Le perforateur Ryobi n'est à utiliser que dans des cavités ventilées, car ses moteurs de temps dégagent des gaz toxiques, CO, CO2, vapeur d'huile. Il faut donc retraiter ces gaz d'échappement. Là, tu vois, il est tout embobiné, tu vois, il est assez long, celui-là. Avant l'autre bout, allez, tu remets un tuyau métallique. Tu rentres dans le brûleur. Un brûleur de gaz a été conçu avec un chauffage de chantier. Le réglage de l'angle d'attaque de projection des gaz toxiques par rapport à la grille a été ajusté avec un analyseur de gaz ainsi que la position du gicleur. La longueur du tuyau peut aller jusqu'à 20 mètres permettant de positionner le brûleur loin du point de forage. Aucune fumée n'est perçue à la sortie du brûleur. Des mesures de présence de gaz ont été effectuées.
Elles démontrent que les résidus sont négligeables dans des cavités de grand volume. Elles ont été contrôlées avec une pompe Dräger. Environnement très ébouleux et fragile, à miner avec précaution. Il ne faut pas déstabiliser la trémie. Une fois le forage terminé, mesurez le trou. Le nettoyer. Le souffler. Et introduire un renforçateur de 3 grammes. Et un détonateur. Attachez ensuite le fil du détonateur. La sécurité exige d'attendre une minute en toutes circonstances par gramme d'explosif avant de revenir sur le site de l'explosion. Cette règle a été établie suite à de nombreuses mesures. Et le gros caillou n'a pas bougé en dessus, donc voilà. C'est ça qui est important, parce que t'as vu en particulier, t'as vu le gros est impressionnant. T'as vu le gros dessus là ? Ouais. Ça bouge, ça ? Faut pas mettre de gros choses, pareil. Nous avons percé pour mettre la charge au cœur de la pierre. Vous voyez, à peu près la longueur. Voilà, donc là nous allons mettre deux renforçateurs avec le câble électrique à proximité. Voilà. Bouche au fond. Donc voilà, mettons le premier renforçateur. Le deuxième renforçateur. Et maintenant nous allons installer le détonateur. Voilà. Nous introduisons le détonateur. Voilà, voilà, voilà. Et là. Et d'un trou. Maintenant nous allons charger le deuxième bloc. Messieurs, allez, attention, tir de mine. 3, 2, 1. Thank you.
Merci.